Bienvenue à l'Église Le Portail en ligne. Le personnel de l'Église ainsi que moi-même, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 avec Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais j'anticipe une belle année. Pas parce que j'ai pris de bonnes résolutions ou que j'ai de grands projets, mais simplement parce que Dieu est fidèle et qu'il bâtit lui-même son Église. Si tu es d'accord avec moi, tu peux t'exclamer de Amen là où tu es. Euh, dès la semaine prochaine, nous débuterons une thématique de début d'année, Ton année est prédestinée. Cette série sera encourageante et édifiante parce qu'elle nous rappellera que Jésus nous a devancés en 2023. Quoi que tu anticipes, Jésus est déjà devant toi. Cette série sera prêchée sur tous nos sites Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi, et chacun de nos sites reprend son horaire habituel de rassemblement. Donc, pour avoir les détails de ces heures et de ce qui prend place sur nos sites, je vous invite à visiter notre site internet au www.égliseleportail.com ou notre page Facebook. Pour aujourd'hui, nous avons un message de début d'année de notre pasteur principal, Gaëtan Brassard. Bonne écoute. Bonne année 2023, bonne année 2023, et je sais que le monde t'offre bonheur, santé, prospérité. Euh, je t'offre un bonheur, une santé, une prospérité, mais biblique, christocentrique. Donc, alors qu'on parle de bonheur, oui, mais je te souhaite que l'Éternel soit ton berger, alors tu pourras dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Euh, oui, je te souhaite la santé, la prospérité, mais comme dit la parole de Dieu, je te souhaite de prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, généralement, on utilise ce verset-là pour justifier la santé et la prospérité. Puis évidemment, je ne te souhaite pas la maladie et la pauvreté. Mais je te souhaite surtout la prospérité de ton âme, la santé de ton âme. Et alors que tout le monde peut te souhaiter une bonne année, euh, je t'offre ce que Jésus seul peut t'offrir, une année de grâce. Une année de grâce. Donc, alors qu'on parle d'une bonne année, je te parle d'une bonne année dans la bonne nouvelle de Jésus. Et avec une nouvelle année vient son lot d'anticipation. Et je déclare que 2023, souligne ça, je déclare que 2023 sera pour toi une année de victoire, une année de miraculeux, une année de bénédiction, une année de succès, une année de gloire. Dieu voulant. Dieu voulant. Ça change tout. Et c'est le titre de mon message, de ma prédication. Dieu voulant en 2023. Et je vous invite à ouvrir avec moi dans l'épître de Jacques, quatrième chapitre. Quatrième chapitre, verset 13 à 17. Vraiment une parole de Dieu pour nous en ce début d'année, une parole de sagesse, une parole qui, par la grâce de Dieu, peut transformer nos vies et conséquemment transformer nos années, notre année. Voici ce que dit la parole de Dieu. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Amen. Amen. Ce qu'on voit ici, le verset 13, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Et ce verset nous amène à se poser la question, et je te pose la question, quels sont tes projets pour 2023? Alors qu'on est en début d'année, et cette parole, c'est une parole de Dieu pour nous, alors que chacun d'entre nous, on a des prévisions, des projections, des planifications, on prend des résolutions. Quels sont tes projets? Et souvent, on réalise que nos projets ne se déroulent pas comme on l'avait prévu. À la fin d'une année, on réalise que hum, ça ne s'est pas déroulé comme je l'avais anticipé. Souvent de fois, même nos résolutions de début d'année ne vont pas durer très, très, très longtemps. Ah, par exemple, peut-être que en 2021, tu as eu la résolution d'avoir moins de dettes. Tu te de, dis donc, en 2021, je paye mes dettes. En 2022, début 2022, tu t'es dit hm, « c'est pas évident », tu te dis « Je dois avoir des résolutions plus modestes, donc au lieu de payer toutes mes dettes, j'ai l'objectif de payer une carte de crédit ». Et peut-être que tu te retrouves aujourd'hui, tu te dis « Mon objectif plus modeste, c'est simplement de payer mon montant minimal euh, ». Peut-être qu'en 2021, tu te dis « Ma résolution, c'est d'aller au gym trois fois par semaine, de faire du sport trois fois par semaine ». En 2022, tu t'es rendu compte que c'est pas évident, puis tu t'es dit « Moi, ma résolution est d'aller au gym une fois par semaine ». Et aujourd'hui, en ce début 2023, tu dis Ma résolution, c'est d'arrêter de gaspiller de l'argent pour payer d'un gym que je n'utilise pas. Peut-être qu'en en 2021, tu avais une résolution de prier plus. Peut-être qu'en 2021, tu as dit Ma résolution est de prier une heure par jour. En 2022, tu t'es adapté tu as dit Ma résolution est de prier 15 minutes par jour. Et en ce début 2023, tu es tellement découragé, tu dis, Ma résolution, c'est de prier avant de manger. Peut-être qu'en 2021, tu t'es dit, ma résolution, c'est de lire la Bible en un an. L'année dernière, tu t'es dit, oh, OK, ma résolution, je vais la modifier, je vais lire le Nouveau Testament en un an. Et peut-être qu'en 2023, tu dis, ma résolution, c'est simplement de retrouver ma Bible que j'ai perdue depuis trois ans. Maintenant, quels sont tes projets pour 2023? Et la parole de Dieu nous parle de ceux qui, qui ont des projets, qui planifient des temps. Donc, aujourd'hui ou demain. On prévoit des endroits, nous irons dans telle ville. On prévoit des durées, nous y passerons une année. On prévoit des actions, nous y ferons des affaires. On, on anticipe un résultat, nous réaliserons un gain. Donc, en ce début 2023, plusieurs d'entre nous, on a déjà fixé des dates au calendrier. Donc, aujourd'hui, demain, il y a des gens, tu m'écoutes, tu as prévu, aujourd'hui, manger de la soupe jumeau. D'autres, tu dis, demain, j'ai prévu, on a prévu en famille de passer la journée en pyjama, écouter... Des films. Euh, tu as déjà une date pour le camping. Le chalet est déjà réservé. Une date de mariage est préparée. Il y a des anniversaires qui sont prévus. Euh, on prévoit des endroits. Donc, tu prévois aller dans le sud, tu prévois aller à Cuba, tu prévois aller à Paris, tu prévois travailler dans telle ville. On a plein de choses qu'on projette, qu'on anticipe, qu'on prépare en ce début d'année. On prépare des durées. Donc, on planifie des échéanciers. Tu as prévu deux semaines de vacances. Euh, tu prévois que dans un an tu vas graduer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devant moi qui m'écoutent. Tu prévois que dans deux ans, tu vas acheter une maison. D'autres, dans cinq ans, tu vas prendre ta retraite. Euh, on prévoit des actions. On organise des activités. Dans la prochaine année, dans ta tête, c'est comme clair. Il y a des choses que tu vas faire, tu vas travailler, tu vas te marier. Tu dis je vais accoucher. Je vais voyager, je vais visiter, je vais me reposer, je vais économiser. Et on anticipe des résultats. Donc on, on, la dernière année pour les placements a été catastrophique. On anticipe de se refaire cette année. On anticipe que nos enfants vont passer à une autre étape. On anticipe perdre du poids. On anticipe qu'on va avoir la promotion. Et on a plein de projets. Et la parole de Dieu nous dit au verset 14. Alors que c'est très humain de planifier en ce début d'année. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Est-ce que tu sais, c'est quoi le problème avec nos, 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 nos prévisions de début d'année? C'est que nous sommes ignorants, fragiles, éphémères et mortels. Et quel bel et bon moment de se rappeler en début d'année que nous sommes ignorants, fragiles, éphémères et mortels. Et si tu écoutes cette prédication avec quelqu'un, tu n'es pas seul, dis à la personne à côté de toi, tu es un ignorant. Et l'autre a le droit de répondre, tu es une ignorante. Et tu peux lui dire, oui, mais tu es fragile, oui, mais toi, tu es mortel. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça, j'ai une parole d'encouragement. Mais c'est important de comprendre qu'on doit s'attendre de la prochaine année. Et la Bible dit, voici, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain, nous sommes ignorants. On ne sait même pas si on va être là dans une heure. Et la Bible dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Alors qu'on approche cette nouvelle année, on doit avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes que ça? Une vapeur. Une vapeur qui disparaît pour un peu de temps. Nous sommes éphémères. Un jour, une dame qui est en voyage appelle son mari, puis elle lui dit Chérie, comment va, va notre chat? Et euh, le mari lui répond très fran franchement, le, ch le chat est mort. Et là, la femme est un peu désespérée puis elle dit Mais voyons, tu, tu peux pas me dire que le chat est mort, que tu dois me préparer, tu dois me ménager, tu dois enrober un peu la vérité, puis dit Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais tu aurais pu dire que le chat se promenait sur le balcon, il a entendu un gros bruit, il a été effrayé, puis il est tombé en bas des trois étages, puis il est mort. Bon, ok. Je, 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 je m'excuse, chérie. Je dis bon, ok, le chat est mort. Comment va ma mère? Et ta mère se promenait sur le balcon avec le chat et la réalité, c'est que nous sommes éphémères, nous sommes mortels. On ne contrôle rien. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'alors qu'on a des projets pour 2023, tu ne contrôles pas ta vie en 2023. Sur chacun d'entre nous, en ce début d'année, alors qu'une nouvelle année, plein de vie, la parole de Dieu nous rappelle que sur chacun d'entre nous, il y a une date de péremption. Il y a une date d'expiration. Employer l'anglicisme. Quand tu regardes tes produits dans, dans le frigo, il y a une date. Maintenant, Dieu a fixé une date pour ta mort. Et là, il y a des gens qui disent Mais pas ça, c'est en début d'année, encourage-nous. Je vais t'encourager, reste avec moi. Je, mais je veux que tu comprennes. Avant d'arriver à l'encouragement, il faut qu'on passe au travers de ce, ce moment-là. Donc, chacun d'entre nous, il y a un temps pour naître, pour mourir. Et ce début d'année nous rappelle que la dernière année est une grâce de Dieu. Il nous apprend à ne pas prendre pour acquis la prochaine année. Nos jours sont comptés. Dieu a fixé une date à notre naissance, une date à notre mort. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans psaume 90, apprends-nous à bien compter nos jours. Et voici l'encouragement. Alors, quand ce début d'année, on a des projets, on va faire telle chose durant tel temps, on va aller à tel endroit. La parole de Dieu nous dit Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc, la parole de Dieu te rappelle, me rappelle que tu ne contrôles pas ta vie en 2023. Mais voici l'encouragement Toi, tu ne contrôles rien. Moi, je ne contrôle rien. Mais Jésus contrôle ta vie. Jésus contrôle ma vie en 2023. Verset 15 Vous devriez dire au contraire Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors qu'on qu planifie, alors qu'on projette, alors qu'on anticipe, la parole de Dieu nous dit, tu devrais dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Maintenant, le problème n'est pas de planifier. La parole de Dieu nous encourage à planifier. Le problème n'est pas de planifier, le problème est de planifier notre année sans le Seigneur. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et il agira. Il agira. Tu peux agir comme tu veux dans la prochaine année, mais si Dieu n'agit pas, c'est vain. Tu peux bâtir intensément dans la prochaine année, mais si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. La parole de Dieu dit encore une fois, l'homme médite ses voies, il planifie, mais c'est l'Éternel qui a fermé ses pas. Donc, remets tes projets à l'Éternel et ils s'accompliront. Ce que la parole de Dieu dit, elle ne dit pas que c'est mal de planifier, elle dit c'est mal de planifier sans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'alors que nous sommes ignorants, nous connaissons le Dieu qui est omniscient. Moi, je ne sais pas si je vais passer l'année, mais je connais le Dieu qui connaît le nombre exact de cheveux que sur ma tête. Je suis ignorant, mais mon Dieu est omniscient. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi l'année 2023 nous est inconnue. Mais les chrétiens sont toujours très heureux de confier un avenir inconnu à un Dieu qui les reconnu. Je ne connais pas ce qui va se passer en 2023, mais je connais le Seigneur qui contrôle 2023. Alors que moi je suis fragile, mon Dieu est omniscient. Je suis dans la main de Jésus. C'est mon encouragement pour 2023. Alors que je suis éphémère, alors que nous allons tous disparaître, nous allons tous passer, nous connaissons le Dieu qui est souverain, le Dieu qui dit... Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et ce Dieu-là qui a tout pouvoir, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors que nous sommes mortels, en ce début 2023 qu'on se rappelle, on s'encourage à se confier dans le Dieu qui est éternel. Pourquoi? Parce que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et la parole de Dieu nous dit, alors qu'on planifie, alors qu'on fixe des dates, alors qu'on fixe des échéanciers, alors qu'on a des projets, alors qu'on rêve. La parole de Dieu, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut. Tu devrais ajouter le, la volonté de Dieu dans tes projets. Et quand la parole de Dieu dit qu'on devrait dire si le Seigneur le veut, vous savez, il y a des chrétiens qui disent continuellement, Dieu voulant, Dieu voulant, Dieu voulant. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Elle n'est pas en train de nous enseigner qu'on devrait employer Dieu voulant ou si Dieu le veut comme une formule magique. Ce que le verset 15 nous enseigne... Ce n'est pas une formule magique, c'est une foi christocentrique. C'est pourquoi l'apôtre Paul en, régulièrement il dit Je prévois aller vous voir si Dieu le veut. Je vais aller vous visiter si telle est la volonté de Dieu. Je vais faire telle chose si Dieu le permet. L'apôtre Paul a continuellement la pensée que le Seigneur doit être dans ses projets. Et en ce début d'année, je veux attirer ton attention sur le fait, alors qu'on a des résolutions, alors qu'on a des planifications, alors qu'il y a toutes sortes de choses, des projections, puis je veux simplement t'inviter à t'arrêter pour mettre le Seigneur dans tes projets, pour mettre Jésus au centre de tes projets. Et en fait, la parole de Dieu dit, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous ferons quoi? Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Deux choses. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que le chrétien croit que ce qu'est que ce qu ma vie et ce que j'accomplis est dans la main du Seigneur. La parole de Dieu nous rappelle que le succès de notre vie en 2023 ne dépend pas de notre main, mais dépend de sa main. Vous savez, un grand chef peut faire un, un, un repas, cinq services avec une spatule achetée au Dolorama. Et tu pourrais avoir une spatule Ricardo à 50 dollars et complètement rater ta recette. Pourquoi? Parce que le succès de la recette n'est pas dans l'instrument, mais dans la main qui tient l'instrument. Le succès de 2023 n'est pas dans nos vies, mais dans le Dieu qui tient nos vies. Et quelqu'un a dit, « L'endroit le plus sûr au monde est dans la volonté de Dieu. » Si tu lis ce verset, et si lorsque tu entends, si Dieu le veut, si tu es dans la crainte et dans la peur, c'est que tu ne connais pas le Dieu de la Bible qui s'est révélé en Jésus. Et regarde. Quels sont tes projets pour 2023? La Bible nous dit Tu ne contrôles pas ta vie en 2023 Jésus contrôle ta vie en 2023. Mais il nous met en garde contre le danger du péché de présomption en ce début 2023. Verset 16. Mais maintenant. Vous vous glorifiez dans votre présomption, toute gloriole de ce genre est mauvaise. OK. C'est important de comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que la présomption? Qu'est-ce que le péché de présomption? C'est de considérer comme certain ce qui est probable. Il y a plein de choses en ce début d'année qui sont probables dans la prochaine année. Hein? Des vacances, des projets, la maison, la santé, il y a plein, plein de choses. Mais quelquefois, on, a, on oublie de s'arrêter et de réaliser qu'on dépend de Dieu. En fait, le péché de présomption, c'est l'orgueil de tenir Dieu pour acquis. C'est quelquefois, en début d'année, alors qu'on regarde à la prochaine année, il est possible de prendre la vie de Dieu, de la tenir pour acquise. Il est possible de, prendre, de tenir pour acquis la grâce de Dieu sur nos vies. Il est possible de tenir pour acquis, de prendre pour acquis la bénédiction de Dieu dans nos vies. Alors j'aime beaucoup ce qu'Esdras va dire. Esdras va dire notre succès dépend du fait que la main de notre Dieu était sur nous. Et en ce début d'année, la parole de Dieu nous demande de s'arrêter pour réaliser la nécessité. De considérer la main de Dieu dans nos vies. En fait, le péché de présomption, c'est l'orgueil de se confier dans un calendrier. Vous savez, les païens font ça, mais le chrétien ne fait pas ça. Une hein, nouvelle année, et là, hein, les compteurs se remettent à zéro. Alors, on est plein d'espoir parce que depuis quelques heures, on a changé le calendrier. Mon ami, le calendrier ne peut rien pour toi. C'est le Dieu d'éternité qui peut quelque chose pour toi. Le fait que nous sommes une année avec une page vierge, ne change rien. Pourquoi? Je veux dire une grande vérité. L'année a changé, mais tu es la même personne. Avec les mêmes défauts, avec les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes patterns, les mêmes problèmes, les mêmes péchés. La parole de Dieu dit, confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Ce début d'année, la parole de Dieu nous rappelle de se confier à l'éternel de tout notre cœur. Et lorsque... On omet de considérer la main de Dieu dans nos vies, la grâce de Dieu, que tout ce que nous avons est une grâce qui peut nous être redemandée. C'est là que Jacques va nous dire que toute gloriole, hein, glo la gloriole, la gloire, c'est une petite gloire d'une attitude, une attitude de cœur. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. En fait, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Et c'est ce qui est dénoncé. Reste avec moi. C'est un manque d'humilité face à la souveraineté de Dieu. C'est un manque d'humilité face à la souveraineté de Dieu. Vous savez, les orgueilleux n'aiment pas la souveraineté de Dieu. Moi, je connais des chrétiens qui n'aiment pas la souveraineté de Dieu. J'enseigne à des gens quelquefois, collège biblique, qui réagissent à la souveraineté de Dieu. Pourquoi L'orgueilleux n'aime pas la souveraineté de Dieu parce qu'il la considère trop intrusive. Mais le chrétien, né de nouveau, qui est centré sur Jésus, ne peut pas accorder trop de souveraineté à Dieu. Il connaît son Dieu qui contrôle toutes choses. Le Dieu de la Bible n'est pas un génie que tu peux remettre dans sa bouteille lorsque tes trois vœux sont exaucés. Oui, il est intrusif parce qu'il connaît toutes choses, il soutient toutes choses. Et en ce début d'année, rappelons-nous que notre Dieu est souverain. Et que notre Dieu n'est pas un génie dans sa bouteille. Il est le Dieu qu'on ne peut contenir. L'univers ne peut le contenir. Notre Dieu ne peut pas être trop intrusif dans ta vie. Notre Dieu ne peut pas avoir trop de contrôle dans sa vie, dans ta vie. Notre Dieu ne peut pas être tout puissant dans ta vie. En enfin, fait, le péché qui est dénoncé au verset 16, c'est le manque de reconnaissance de notre totale dépendance envers Dieu. En fait, la Bible ne condamne pas le fait qu'on planifie notre année, qu'on a des rêves, qu'on a des souhaits, qu'on a des vœux. Ce que la Bible, l'avertissement que la parole de Dieu nous lance, c'est qu'en ce début d'année, de ne pas s'arrêter pour reconnaître notre totale dépendance envers notre Dieu. Un jour, un colis arrive dans une maison, puis une petite fille de 5 ans, elle voit le colis, puis elle veut le prendre, mais c'est comme c'est trop lourd. Puis, elle demande à son papa, elle dit Mais papa, le colis, hein, c'est quoi le colis Il dit Ah, c'est un colis pour ta maman. La maman est au deuxième. La petite fille, elle dit, elle dit Mais papa, dis Moi, je vais aller porter le colis à maman. Il dit Mais tu peux pas, c'est trop lourd. Elle dit Non, elle dit Moi, je tiens le colis, puis toi, tu me tiens moi. Souvent, c'est possible de focaliser notre attention en début d'année sur le colis qu'on tient, qu'on va tenir, oubliant le Dieu qui nous tient nous qui tenons le colis. Notre Père qui nous supporte, qui nous porte. Et je termine. Verset 17. « Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Encore une fois, un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Il y a un contexte qu'on vient de voir à ce verset. « Si quelqu'un sait faire le bien ne le fait pas, il commet un péché. Si péché. » Permets-moi de récapituler. La parole de Dieu en ce début d'année nous dit, bon, quels sont tes projets pour 2023? Deuxièmement, considérant tous ces projets, rappelle-toi que tu ne contrôles pas 2023. Tu ne contrôles pas ta vie en 2023. Tu ne sais pas de quoi sera faite ta vie en 2023. Mais troisièmement, tu connais Jésus qui contrôle ta vie en 2023. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et quatrièmement, ça nous met en garde contre le danger du péché de présomption en ces débuts d'année. Le péché de présomption, c'est-à-dire de présumer des choses, c'est-à-dire de ne pas dépendre totalement de la souveraineté de Dieu, de ne pas réaliser notre dépendance totale envers Dieu. C'est ça la présomption. On présume qu'on est autonome. On présume que Dieu est accessoire. Et le verset 17 nous dit, nous encourage à mettre Jésus au centre de ta vie en 2023. La Bible dit si quelqu'un sait faire le bien ne le fait pas il commet un péché. Il y a ce qu'on appelle des péchés de commission. Et souvent lorsqu'on pense au péché c'est ce qu'on pense des, des choses qu'on fait, des choses qu'on, pensées qu'on a, des paroles qu'on prononce, des actions qu'on commet. Donc c'est des choses qu'on fait. Mais la parole de Dieu dit que le péché c'est beaucoup plus que ça. L'orgueil dans notre cœur, l'incrédulité dans notre cœur c'est beaucoup plus que ça. Si quelqu'un sait faire le bien ne le fait pas il commet un péché. Il y a aussi le péché d'omission. Le péché, c'est non seulement de commettre le mal, mais c'est d'omettre, de mettre, de mettre Jésus au centre de ta vie. Et ce que la parole de Dieu dit ici, vous savez, il y a des chrétiens qui commencent en 2023 et ils sont des hyperactifs spirituels. Ils commencent en 2023. « Je déclare que cette année... » Ah, puis je t'ai joué un tour au début. J'ai commencé comme ça en disant, Dieu voulant. on déclare année de bénédiction. Et là, là, on est des hyperactifs. En début d'année, puis on va faire, 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 Et là, là cette année sera mon année. Alléluia. Et la parole de Dieu commence à nous mettant en garde. Mais elle dit que l'autre extrême n'est pas mieux. La parole de Dieu n'encourage pas l'hyperactivité spirituelle. Mais de l'autre côté, n'encourage pas le fatalisme passif. Un chrétien qui se confie, qui dépend de la souveraineté de Dieu et pas la rien faire. Non. C'est pourquoi le verset dit, Jacques sait que y a des critiques. Dans ce cas-là, je me mets sur le plateau automatique, je contrôle rien. Non. Si quelqu'un sait faire le bien, ne le fait pas, il commet un péché. Mon ami, Jésus souverain, mais toi, ta job, c'est de mettre Jésus au centre de ta vie. Ça, tu dois le faire. Mets Jésus au centre de ta vie. Et la parole de Dieu dit, si quelqu'un ne fait pas ça, hein, encore une fois dans le contexte, si quelqu'un ne met pas le Seigneur au centre de sa vie, si quelqu'un ne réalise pas que le succès de sa vie, c'est Dieu voulant, si quelqu'un ne compte pas ses bénédictions, ne réalise pas la grâce de Dieu, ne réalise pas la main de Dieu sur sa vie, il commet un péché. Le mot péché, c'est le mot martial, c'est rater la cible. Alors qu'en ce début d'année, ce que chacun d'entre nous on veut, c'est atteindre la cible. Mon ami, si tu ne mets pas Jésus au centre de ta vie, tu rates la cible. Tu peux avoir une promotion, tu peux acheter 14 immeubles, tu peux voyager, tu peux avoir une Ferrari, tu peux, être à, tu peux courir trois ultramarathons. Si Jésus n'est pas au centre de ta vie, ta vie est un échec. Tu rates la cible en 2023. Parce que tu as été créé pour la gloire de Jésus. Et ton épanouissement ne se retrouve qu'en Jésus. Ta vie est en Jésus. Ce que tu accomplis est en Jésus. Pour mon anniversaire, euh, en octobre, j'ai un cadeau. Vous savez, on a, on a des, des policiers à l'église, puis il y a des gens, même des, des pasteurs qui, euh, qui aiment aller euh, tirer. Donc, pour... Euh, J'essaie de trouver un mot pour ça. Enfin, on dit au Québec tirer du gun, mais c'est pas, pas classe, pardonnez-moi. Euh, mais de tirer avec des pistolets, puis avec un instructeur, voir comment ça fonctionne. Puis, donc... Vivre l'expérience. J'avais jamais vécu l'expérience. Donc, de vivre l'expérience. Puis, t'as quelqu'un vraiment de, de, de former formé, tout ça. Puis, c'est super professionnel. Puis, là, on t'explique. Là, t'as différents, euh, différents termes. on t'explique l'école, comment la sécurité. Puis, comment, c'est quoi les effets. Puis, comment tu dois t'y prendre. Puis, bon. c'est quand même une belle expérience. Et, t'as une cible. Puis, euh, il faut que tu vises. Il faut que tu t'aies le centre de la cible. Mais, mais, je rêtais toujours la cible. Continuellement, c'est difficile parce que tu bouges, tu as des réflexes. Puis, à un moment donné, mon instructeur m'a dit, c'est que tu as, as un mauvais pli, tu as, as un mauvais réflexe. Puis, ça va être très dur de te débarrasser de ça. Les gens, ça prend des, souvent des, 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 des heures et des heures et des heures de pratique. Pis chacun d'entre nous on a des réflexes charnels, pécheurs. Puis, à un moment donné, je pense que c'était la quatrième arme, il, arrive, il, il a mis quelque chose, il a mis une, une, un petit gadget sur, euh, sur le fusil et il y avait un laser. Et là, tout à coup, je voyais le point rouge en plein centre de la cible. Beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'atteindre la cible quand tu as un focus, quand tu as un, un point focal, quand tu as, as vraiment as quelque chose de concret. Maintenant, la seule manière d'atteindre la cible en 2023, c'est de focaliser sur Jésus. Si tu suis Jésus, si tu aimes Jésus, si tu honores Jésus, si tu glorifies Jésus, ton année sera couronnée de succès. Peut-être pas selon le standard de ce monde, mais selon le standard de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mets Jésus au centre de ta vie. Donc, la question que je te pose en terminant, c'est comment, en 2023, tu vas faire en sorte d'avoir plus de Jésus dans ta vie? Comment tu vas plus dépendre de Dieu? Qu Qu'est-ce qu que tu peux faire pour plus dépendre de Dieu en 2023? Qu'est-ce qu que tu vas faire pour mieux te confier dans la souveraineté de Dieu en 2023? Comment vas-tu t'y prendre pour mettre plus de Jésus dans ta vie en 2023? Il hein, y a toutes sortes de choses. Comment vas-tu t'y prendre pour être plus conscient de la grâce de Dieu au quotidien en 2023? Comment vas-tu t'y prendre pour... Mieux appliquer la bonne nouvelle de Jésus dans tes combats, dans tes péchés, dans tes défis en 2023. Plusieurs manières. De mettre plus de paroles de Dieu dans ta vie, c'est un bon moyen. Euh, de mettre plus d'église dans ta vie, une église centrée sur Jésus qui t'aide à être centrée sur Jésus, c'est un bon moyen. Euh, de plus prier. La prière est une déclaration de ta dépendance envers Dieu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Alors qu'on regarde à l'année qui s'entame devant nous, il y a des gens qui sont ici, je t'encourage à t'approcher de Dieu, il s'approchera de toi. Il y a des gens qui m'écoutent, Dieu te demande de revenir à Jésus. Tu t'es détourné en 2022, 2021, 2020, peu importe. Que 2023 soit l'année de ton retour. Que 2023 soit l'année. De la consécration, l'année du retour à Jésus. Euh, que 2023, il y a des gens qui m'écoutent, tu persévères dans un péché que la parole de Dieu condamne. 2023 est l'année où tu te détournes de ce péché, où tu marches dans la victoire que le Seigneur t'a acquise à la croix. Donc, un des problèmes du, que Jacques dénonce au verset 13, c'est que c'est plein de beaux projets, mais Jésus n'est pas dans le projet. Plein de projets matériels, mais il n'y a pas de spirituel. Plein d'éléments pratiques, mais il n'y a rien de biblique. Donc, la grâce que je te souhaite, que je nous souhaite en 2023, c'est qu'on puisse, qu puisse mettre plus de, de, de Jésus, plus de choses de Dieu dans nos vies. Afin que notre année soit fondée sur Jésus, qu'elle soit bâtie pour Jésus. Afin que dans l'année 2023, ce que je te souhaite, c'est de plus honorer la parole de Dieu. Ce que je te souhaite, c'est d'être plus centré sur Jésus. Ce que je te souhaite, c'est de plus marcher par l'Esprit. Ce que je te souhaite, c'est de plus aimer les autres. Ce que je te souhaite, c'est de plus briller dans les ténèbres. Ce que je te souhaite, c'est de plus glorifier Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour cette nouvelle année qui est une grâce. Seigneur, on ne veut pas la tenir pour acquis. Merci pour 2022 qui est encore une grâce. Seigneur, euh, merci que l'enfant de Dieu n'est pas dans la crainte. Alors que devant nous, il y a une part d'incertitude, d'inconnu. Nous sommes pleins de confiance parce que nous connaissons le Dieu bon et fidèle qui contrôle toute chose qui est souverain. Donc, Seigneur, dans cette année, nous avons plein de projets, mais nous disons Dieu voulant, si Dieu le veut. Seigneur, dans ce début d'année, nous rentrons avec la conviction que ce que tu as pour nous est bon. Nous entrons dans la conviction que les difficultés de 2023 va permettre dans nos vies, amèneront, son, amèneront le, leur lot de grâce dans nos vies. Seigneur, nous prions que 2023, que tu sois élevé, nous prions que nous puissions entrer dans 2023 dans la soumission, que nous puissions entrer avec une foi active. Donc, Seigneur, nous te remettons 2023 et nous te disons, sois au centre de notre vie, sois au centre de notre année, car nous reconnaissons que notre vie... Et ce qu'on accomplit dépend de toi. Donc, apprends-nous à marcher dans l'humilité. Apprends-nous à marcher dans la crainte de Dieu. Apprends-nous à marcher dans la réjouissance de notre salut, dans la joie de notre, de notre salut. Apprends-nous à marcher par la foi. Apprends-nous, Seigneur, à glorifier ton nom en toutes circonstances. Donc, merci. C'est avec anticipation que nous entrons dans ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous dans cette nouvelle année. Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. J'espère sincèrement que ce message a pu faire son chemin jusqu'à ton cœur. Si tu aimerais en savoir plus sur Jésus ou sur notre Église, n'hésite pas à nous écrire à info à commercial a et un membre de notre équipe te contactera dans les plus brefs délais. Si tu désires participer au plan de lecture de la Bible avec l'Église, je t'encourage à consulter la lettre de nouvelles hebdomadaire. Tu y trouveras toutes les informations relatives à ce plan. Tu peux aussi consulter nos réseaux sociaux. Enfin, on tient à vous remercier. Euh, merci de votre soutien à la mission de Jésus. C'est ainsi que nous contribuons à la proclamation du message de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus et d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, pour nous soutenir, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en nous écrivant simplement à don au pluriel à égliseleportail.com au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite nos meilleurs vœux pour 2023.